Et la femme entrepreneur a un grand rôle dans la microfinance parce que c'est lui qui gère son entreprise, c'est lui qui apporte toutes les créativités, étant donné qu'il a eu l'initiative de chercher, remarcher ici et là, son rôle est très grand et il a une importance pour le développement de la société africaine. Je dirais que le rapport de la microfinance, je vais la souligner de deux côtés. La microfinance peut donner un apport financier et peut donner aussi un apport non financier. J'explique à ce qui concerne le rapport non financier. Si la femme a déjà monté son entreprise, il a besoin d'un support à ce qui concerne réformation, reformation, aussi de révolution du business d'aujourd'hui. C'est ça que la microfinance peut contribuer, peut apporter à la femme entrepreneur de l'Afrique. Concernant le partenariat IFC, Mutangwa Finance Company et ADA, j'ai une très bonne impression. Le projet que nous gérons ensemble, c'est le projet d'appui aux jeunes entrepreneurs. Nous avons bien choisi le projet parce que les objectifs de ce projet est de promouvoir les jeunes gens, aussi bien les filles que les garçons, et de leur donner cette initiative de monter leur business à un âge très bas. Alors, l'objectif choisi conjointement entre Mutangwa Finance Company et ADA, c'est un bon objectif parce que c'est une niche, c'est une pépinière que nous sommes en train de constituer et ce sont les gens qui sont jeunes qui vont servir la société pendant longtemps. Notre objectif est bien choisi et il sera mis en place d'une façon efficace. Je l'espère bien.